C'est un jeu où vous allez pouvoir nous insulter, j'imagine. Oui, en plus vous allez. Ah! Oh! En plus vous allez pouvoir être ultra toxique. Vous allez pouvoir être ultra toxique comme à votre habitude. Le chat, ça vous fait plaisir? Ouais! Ouais, on va être toxique! On va jouer à Escape Academy. Bon, c'est plein de. C'est vraiment. Apparemment, ça a été fait, j'ai vu ça, avec des gens qui ont vraiment fait des Escape Room IRL. Voilà. Et ils ont demandé conseil à des spécialistes. Oui. Donc c'est vraiment dans cette vibe. Et ça a l'air d'être une école où tu fais plein de rooms. Bref. Un truc assez classique en soi d'Escape Room. C'est jouable en coop, mais oui. Pour le bien de votre vision, on le fait pas parce que c'est en split screen. C'est ça. Et pour la VOD, on peut pas être en split screen parce que c'est trop bizarre. Alors, c'est illisible en VOD. Voilà. Donc on va le faire sur un écran à deux, comme d'habitude. Solo! Non, je n'ai pas lancé une partie. Tu l'as fait? Oui, pour voir okay. Si ça marchait bien. Là, il va savoir tout résoudre dès le début. Très allez. Professionnel. Gardez toujours un papier et un crayon sur vous. Non. Quoi? Non, attends. Bon, vous serez notre papier et notre crayon, bande de trous oui. du cul. Hein. Ah, pas sûr que la fin de la phrase les motive. La fin de la phrase, peut-être t'aider. Qu'ils vont pas le faire. Je mais suis pas sûr qu'ils vont t'aider là. Ding, bonjour, vous êtes là. Je ne vous avais pas vu sur la liste des réservations. Donnez-moi un instant. Super. Bienvenue à la maison de l'évasion, le meilleur escape game que vous pourrez trouver. Avez-vous ce qu'il vaut pour vous évader de l'inévadable? Désolé, on me force à dire ça. Moi, t'as fait des escape rooms un petit peu. Le RP met toujours mal à l'aise hein, quand il décide d'en faire. On est bien d'accord que c'est presque pas nécessaire finalement. Non, ça ne sert à rien. Et je sais pas à qui ça fait plaisir quand t'as le MJ qui vient pour faire genre un truc RP. Ça met mal à l'aise tout le monde. Y a pas de transition. Et souvent, tu sais, le mec au début, tu rentres dans le truc et tu le vois, il te dit bonjour et tout. Il est tout à fait normal. Et il revient. Et là, c'est pas du tout la même personne. Et il t'agresse ça, et tout. Très tu comprends rien. Aigri. Un peu, mais franchement, moi je trouve ça. Non, ça me met mal à l'aise. Et y a pas besoin. Moi, quand je fais un escape game, je viens là pour m'amuser à résoudre des énigmes. Je suis pas là pour m'imaginer quelque part. Ou alors, moi, je voudrais bien. Qu'il y ait quelque chose comme ça, mais une fois que je rentre dans la pièce, tu vois. En fait, une petite transition, tu vois. En fait, quand il me parle avant, je trouve ça très étrange. Non. Moi, je suis encore dans la rue, tu vois. Je suis encore. Tu peux, admettons un truc d'horreur, tu peux faire un truc. Mais tu me fais pas voir le mec que je viens de voir juste avant, qui m'a accueilli, qui m'a parlé, qui m'a dit vous êtes combien de personnes? Non. C'est ça. Parce que là, genre, je suis gêné. Genre, tu je t'ai sais vu avant, frère. Tu sais quoi, Goku 9Z, il te dit vous êtes pathétique, sérieux. Voilà. Dans ta gueule, Terra. Espèce de merde. Voilà. Pour ton avis de merde, voilà, tu l'as bien mérité. Attends, j'ai oublié dans le jeu, dans le titre. Hop. Attendez, j'ai mal fait mon titre. Voilà. J'assume la responsabilité des risques encourus en marchant avec WASD et en interagissant avec clic. Jusque là, j'accepte de consulter mon inventaire avec tab. Il est interdit de courir avec shift. Mais qui va vérifier? Ne signe surtout pas sans moi, je vais fermer la porte. Je signe. J'ai pas. Voilà. Oh merde. Il va m'engueuler. Elle est loin sa porte. T'as signé sans moi? Ta porte elle est à 10 km ou quoi? Non, elle est à. Ça fait longtemps, elle a fait à 5, 5 mètres, 10 mètres. 5 mètres de maison, oui. Ouais, à peu près, ouais. Inspecté. Écoutez. Ne tourne pas les chiffres au hasard. Allez, on le fait pas. Lire. L'horloge est cassée. Faites comme s'il était midi 30. Y'a pas de le problème. Le code. Midi 30, 1, 2, 3, 0. Je te jure que. Non, ça peut pas être ça. C'est ça. Tiens le coup, mon gars. Bah, franchement, si c'est ça, je ferme 1, le jeu. 3, 0. Attends. Ah, ok. Si c'est ça, je ferme le jeu et puis c'est tout. Hein. C'est ça. T'as mis 1. T'as mis 0. Et c'est ça. Mais c'est vraiment ça, mais putain. Non, mais alors là, le jeu est fini dans une heure. Je suis désolé, mais on a fini le jeu dans une heure. Indice mystérieux. Ok. Bleu, jaune, rouge, bleu. Gobelet bleu. Tab, objet. Ok, donc bleu, on jaune, peut rouge, voir. Bleu. Ouais, c'est bien deux bleus, on est bien d'accord. Tu seras mon référent couleur. Et gobelet bleu. Alors. Une petite soif? Petit gobelet bleu, non? Il faut trouver les trois autres gobelets. Ici on a un correspondant à des ABC, couleurs différentes. MNO, QRS. Oui, très bien. Y'a quoi là-dedans? Oh bah on le a rouge. Rouge. Oh bah tiens. Il passe partout dans le pays. J'ai pas fini de lire! C'est pas très intéressant! Mais la clé, c'est on passe la clé un pour moment. Passer un moment! Qu'en penses-tu? Mais par contre, on pouvait avoir. C'est le coffre au trésor. Utilisez votre imagination pour celui-ci. Ok.
Qu'est-ce que tu me dis là? Ça va. Au moins, ça. Ouais. Évadez-vous. Pas de problème. Un autre dans la poubelle? Okay. Bah ouais. Il nous manque encore un bleu. Ok. Si vous lisez ces lignes, bienvenue, initié. Dans votre premier défi, il est maintenant l'heure. Car pour entrer dans notre secret, tous les initiés doivent prouver leur valeur. Pour ouvrir votre esprit, la patience est la clé. Celle de la confiance est vôtre si vous la méritez. Lisez l'heure pour ouvrir. Mais on le sait déjà. Ah oh merde, on... ouais, bah ouais, ça pour le coup, on l'a fait avant. Le problème, c'est qu'on est trop fort, c'est tout. Bon alors. Il manque le gobelet bleu. Alors là, je dirais au plafond. C'est ça que le tu dois regarder. Gobelet. Vous me regardez là? Mais oui! Ah, mais c'est marrant parce que c'est vraiment une salle d'escape game. Je viens de comprendre que maintenant qu'ils ont même mis un décor très cheap avec des draps de pierre. Oui, il y en a même une. Ah, mais c'est pour ça, à mon avis. Genre, là, c'est le premier niveau, c'est des escape games de Clodo. Genre. C'est vrai que c'est un peu un escape game de Clodo, on dirait qu'on l'a fait nous-mêmes là. C'est quoi ça? Toutefois. Il nous manque quand même le bleu. Et puis. Et de toute façon, on les posera ouais, où après? C'est ça, en fait, j'étais en train de me dire, on va les poser où en fait? Ah, mais non, c'est des lettres! On a l'ordre! Regarde. Ah oui, bah du coup, bleu, jaune, on l'a rouge, le bleu, bleu en fait. Du coup, donc, c'est. Bleu, c'est S-O-R, mais c'est quoi le dernier? Sort, c'est S-O-R-S. Parce que c'était bleu encore. Clé de ah la bah confiance. Oui, il y en avait qu'un seul pour deux! Eh ouais. Clé! Eh oui, le chat. On a même pas eu besoin de vous. Je vous voyais là. Eh non. Oh putain, ouais, c'est vraiment un truc de clochard, mec. Regarde où on est. Où est passé l'employé, serait-elle partie? Bah ouais, en fait, ils pouvaient plus la payer parce qu'en fait, ils sont zéro. C'est dégueulasse. Oh, ça pue. Waouh, c'est vraiment. Ça, c'est les escape games pendant le Covid. Bah, c'est fini, voilà. Nickel. Ouais, super. Toilette. Oh, il faut qu'on trouve pisser, absolument. Il faut résoudre l'énigme. Faut absolument trouver la clé des toilettes, vite. Défense d'entrée, j'y vais. Manger? Mange là. Oh bah je la mange, hein, je me fais pas prier. Utiliser objet, c'est un poisson? Oui. Je pourrais scanner quelque chose ici. J'ai rien. Super. Un aspirateur. Un Ouija. Ok. Ok, m'en fous. On vient de là, nous? De la room. C'est quoi tous ces t-shirts? Première place. Ah d'accord. Ces produits dérivés ont quelque chose d'inhabituel. Tu m'étonnes. Haut, droite, bas, haut, droite. Bah ça, le chat, vous le retenez déjà? Pour commencer, hein. Je veux allumer ce PC. Je peux pas allumer ce PC? Je peux pas. On va être les moins d'1%. Haut. J'ai oublié. Haut, bas, up, droit, bas, up, droit. Quoi? Haut, droit, bas, haut, droit. Haut, bas, droit. Haut, bas. Droit. Droit. Haut, bas. Non, haut, droit, bas, haut, droit. T'as pas lu le chat par exemple? On ne saura jamais. Ah, bien joué de pas avoir lu le chat. Ro, nivre, ri. Bon bah retourne vers le Ouija. WRO. Mon stylo, j'aurais besoin d'un crayon et d'un papier. Mon stylo, le chat. J-E-B. C'est le. Jeb. Non. Les flèches elles sont pas vraiment sur les lettres. Ouais, hein, mais vu que t'es 1, 2, 3, 4, 5. Oui, bon, bah j'ai bien compris, mais bon. Job. Oui. Alors, N-I-V-R, N-Y-V-R. A. L. Ali. Ali. Allié. Ali. Job, Ali. Quoi? Job, Ali. Attends. Job, Ali. Et le dernier, c'est quoi? Attends, vous dites Jeb? Vous dites Jeb. Ah ouais. Ah ouais. Jebali et Jebali. Jebali et L. Jebali L. Jebali. Joe Biden. Trop bizarre.
Genre. Wake up. C'est bizarre qu'on s'en branle, non? Ah ouais? 1, 2, 3. Ah, ils sont un peu indépendants. Qu'est-ce qu'on en fait? Épuisé. Plus de snacks. Ah! Jeb! 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 Carte de visite. Ok, il faut trouver Ali. Il est là! Et l'autre là! Et il! Elle! L'anguille! Et voilà! Mais les autres, on s'en fout. Oui, d'accord, mais. Voilà. Ah, et ben voilà, tu les scans! Et allez. C'est parti! Jeb! Jeb! Ali! Ali! Il! Et elle! Elle! La clé des toilettes! Clé des mensonges, autrement appelée clé des toilettes. La clé des mensonges. Je reviens jouer aux mensonges. Ouais, c'est. Oh, les toilettes sont pires que le reste. En panne. Oh! Oh, ce n'était qu'une façade. Pas un endroit pour faire caca comme d'habitude. Attends, retourne-toi, y'a rien sur le miroir là? Ah, tu sais, y'a des trucs. Genre là, y'a un œil. Ah! Non. J'ai hâte de me laver les mains. Non, c'est juste... non, juste des trucs mystiques. Ah, c'est vrai, il y a des logos, mais bon. On dirait une secte. On a atteint le sas VIP. On a investi. Oh, c'est nous, hein. Ah, en fait, c'est méta, regarde. En fait, tu rentres en tant que client, et si tu as l'honneur d'être assez intelligent, tu as le droit d'avoir l'escape game. Ok, et nous, on a totalement prouvé notre valeur, et on va déverrouiller notre potentiel. Et sachez qu'il est extrêmement haut. Et sachez qu'il est extrêmement disponible sur l'Epic Game Store. Avec le code créateur extrêmement wankill. Que vous pouvez cliquer sur le lien, genre maintenant. Dans la description là. Ou dans le chat, point exclamation jeu. Oh oui. Je vous ai remarqué que ce n'est pas un escape game ordinaire, tu m'étonnes. Et que je ne suis pas une employée ordinaire, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. La douanienne. Oh, eh, c'était pas une clocharde, incroyable. C'était la doyenne d'Escape Academy. Waouh, c'est un établissement académique dédié à l'étude de l'évasion. C'est genre le Poudlard, mais des cambrioleurs. Exactement, un lieu qui transforme le talent brut en une valeur sûre douée d'aptitudes inimaginables. Je crois déceler du potentiel en vous, mais pas en le chat, et j'aimerais vous offrir une chance de participer. Si vous voulez sortir des sentiers battus et vous évader, alors montez à bord. On y va. Hold on tight, everyone! Next stop, Escape Academy! Allons. On arrive vraiment au Poudlard, c'est trop dur, c'est Poudlard Express. Il nous faut un grand château et des trucs de fou là. Temps d'évasion total 8 minutes 18, à plus. Waouh, waouh, waouh. Bah alors là, c'est. Sur une interro surprise en plus, hein. On est vraiment pas dégueulasse. Hein. Ouais. Analyse du casse-tête, non, bah on n'a pas besoin de nous le refaire puisqu'en fait c'est résolu. 47 secondes, hein. 47 secondes, mon gars. Ah, c'est marrant, on voit individuellement les énigmes. Ouais. Putain. Les gros cerveaux. Oh, les big brain. Oh là là. My big fat brain. Ah, celle-là un peu plus longue. Il y a eu un petit. Oui, non, c'est rien. A plus, mec. A ouais, plus. Ça va. Voici le campus principal. J'espère que vous avez apprécié la balade. Devriez vous rendre au bureau de la directrice, elle vous y attend. Vous n'avez qu'à suivre cette voie, puis prendre à droite. À la cour commémorative d'Hill Barnes. Bonne chance pour l'examen d'entrée. L'examen d'entrée! Et lui, c'est le gardien. Allez. C'est Hagrid. Ouais, c'est plus ou moins. En fait, tout correspond. Oui. Et elle, c'est la vieille McGonagall. Oh là! L'examen d'entrée. Limite de temps 15 minutes. Difficulté on a 15 minutes seulement. Alors là, deux clés, on va le bouffer, mais comme jamais. Ce sera un A+. Voilà, formidable. On ne voit que rarement des candidats qui ont autant de potentiel que vous. On ne veut pas se vanter, mais ils n'arrêtent pas de le répéter. Oh, elle veut... Ah ouais, elle nous parle de... D'accord, de loin. Okay. Cette salle est en train de se remplir lentement d'un gaz qui efface la mémoire. C'est ainsi que notre... C'est du RP? Ou... Parce que sinon, c'est légal. C'est ainsi que notre établissement pourra rester un secret en cas d'échec de votre part. Ah! Ah, ouais, donc c'est mode... tu es nul, tu ne connais pas l'existence de cette académie. En mode, c'est l'examen d'entrée de Kingsman. Genre, tu vas crever, c'est pas grave. Tu meurs si jamais tu réussis pas l'examen. Ouais. Ok, bonne ambiance. C'est parti. Réussissez l'examen.
What are you waiting for? Rien, j'y vais. No place to relax. On a arrêtez trois de nous parler. Rien d'écrit sur ces trophées. Oui, mais son détail est différent. Un reçu pour deux horloges. Des vieux livres poussiéreux. Des piles de livres, aucun nom. Ah là par contre. Ah, on pourra tirer des livres ou pas? Ces livres sont faux. Je parie que si j'appuie sur le bon, il va se passer quelque chose. Non, bah, tu vas pas faire au hasard. Shin. Ok. Je pense que c'est un enchaînement. Ça se remet toujours dans la même position? Oui. Je pense que c'est un attrape-con. Ouais. Ça, c'est un attrape-con. Un reçu pour 5 plantes. Cinq et là-bas, plantes, on avait 2 horloges. Deux horloges. Je compte sur vous. Oh! 2 horloges. 2 horloges, 5 plantes et 3 trophées. Et 3 coupes. Putain, le niveau! Oh, oui. La doyenne en Grèce, la doyenne, 1980. La Grèce. L'Égypte, alors d'abord 1954. L'Égypte. Ensuite la Grèce. Non, d'abord Égypte, Japon, Grèce. Va tirer sur soi. Égypte, Japon, Grèce. Égypte. Japon. Grèce. Oh là 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 là! Oh, aïe 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 aïe! Arrêtez-nous, par pitié, retenez-nous! Que quelqu'un nous freine! Professeur d'évasion. L'une de ses ampoules est cassée. Il faut mettre une ampoule. Ok. Y'a quelqu'un là-dedans? Château d'escape. Des armes. Un crâne. De l'or. Une statue ancienne. Une chaise d'école. Des plantes. Une espèce de masque de renard. Ouais. Do ré mi fa sol la si. Ça va faire un petit air. On va jouer un petit air. D'autres armes. Et encore des trucs précieux. Insérer une disquette. Ah ouais. Tes yeux font fondre ton. Oh, bref. Je l'ai pas. Les étoiles sont. Le de ton père, le voleur. Ouais, bref. Attends, est-ce qu'on avait tout fait de l'autre pièce? Il y a beaucoup de choses non, de l'autre côté. Pas. On a fait un côté. Votre nom. Prénom, deuxième prénom. Prénom. Oh putain, d'accord. Regardez-moi tout ce bazar. Ouais. Des affaires. Tiens, oh, une petite clé. Alors. Comme par hasard. Les vis de cette grille ne sont pas serrées. Ah bah voilà, utilise la clé. Utilise la photo là. Ça marche quoi pas. Salaud. Un reçu pour 3 trophées. Bon, je sais. Ok. Une plante et un petit bateau. Ah, c'est encore un attrape-con, tu t'es fait avoir. La disquette. Ok. Bon, déjà on l'a. Oh. La clé. La petite clé. La petite clé là-dedans. Et là. Ok, tournevis. Photo de groupe. Liz, Rick, Sandy, Hill, Charlie, Kim, les parias. Ça va trop vite. J'ai trop de trucs à faire. Ça fait même pas 5 minutes, t'inquiète. C'est un truc de ouf. On est bon. Ça vous fait chier qu'on spamme le son? Je suis désolé. Ok. 05, 36, 49, 42, 42. Conduit retenez introduit le par chat. Jeb. Le chat. Oh, la directrice, hello. La vieille McGonagall. Vous avez retenu, j'espère. On a un oui, téléphone. Retenu. Le chat, à vous de jouer. 06. Dépêchez-vous. 05. Dépêchez-vous. 36. 49, 42. 42 encore. Le téléphone sonne. Allô, Jeb. You've reached Jeb. Wait, Headmaster Solange? Aren't you interviewing the new kid? Abrège, Jeb. Quoi? T'as raccroché? C'est lui qui a raccroché. Vous ne deviez pas. Bah, il se fout de ma gueule ou quoi? Il a raccroché. Faut l'appeler? Il a raccroché. L'ami doré.
l'ami doré. Ah, y a pas quelqu'un qui est... La statue du vieux, elle est pas dorée? L'ami doré. L'ami doré. La chicorée. L'ami doré. Doré. L'ampoule à UV. Oui, oui, bien sûr. Hop là. Montre-nous ce qu'on doit... Et en fait... Jacqueline. Elle s'appelle Jacqueline. Jacqueline. Oh, Jacqueline. C'était son vrai nom. Oh putain, Jacqueline. Oh god. Alors, c'est son deuxième prénom, Jacqueline. Et du coup, elle s'appelait comment, ses noms? C'est quoi son prénom? J'ai oublié. Oh fuck. Oh fuck. Le groupe de Paria. Ouais, mais comment on sait qui est Jacqueline? Liz, Sandy, Kim. T'as pas essayé tout le monde? Y'a pas. Solange, ça... Attends, quand on l'a appelé, il a dit quoi? Ah ouais, putain. T'as appelé très vite, la vache. Ouais, je me suis trompé. C'était quoi le numéro? Ah mais c'est bon. C'était quoi, vite? Je me suis dit, rapide. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. 59, 49, 42. Oh putain. This is Jeb. Doyenne Solange. Headmaster Solange? Ok, Solange. C'est Solange. Donc c'est ça. Par contre, c'est Sandra. C'est laquelle? Barbara. On doit savoir quelque part, mais je sais pas où. Ne trichons pas. Ne le faisons pas au hasard. Linda, Marie... Non, je vais pas tricher. Mais je regarde s'il y a un diminutif, tu sais. Sandy. Sandy pour Sandra. Okay, en plus, il y a un masque de renard. En plus, il y a un masque de renard sur un mur. Bien joué. Easy. Ça y est, mais attends. On a défoncé la room. C'est plus carapuce, là. Oh, plus rapide que la première. 0 à 10, à plus. Waouh. Parce que des gens utilisent des indices. Ouais, j'ai vu une touche indice, mais bon. C'est ridicule. Oui, bon, voilà. Bon, celle-là, elle est allée très très vite. Très 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 vite. Et voilà. Yes, elle nous a pas flashé. Elle nous a pas gazé, surtout. Gazé, oui, pardon. On a failli mourir. Vous voulez du contexte, des réponses, de quoi aller de l'avant? Bienvenue dans l'Escape Academy, où sont formés les plus grands experts dans l'art de l'évasion. Nos élèves deviennent espions, hackers, voleurs et même présidents. Oh, carrément. Si vous voulez connaître le même succès qu'eux, vous allez devoir prouver votre valeur en obtenant 10 badges. Pour ce faire, vous devrez réaliser de grandes prouesses, aussi bien en classe que sur le campus. Si vous réussissez, vous gagnerez notre sceau, ainsi que le droit de vous dire spécialiste de l'évasion. Alors lancez-vous, explorez le campus et rencontrez les professeurs et libérez tout votre potentiel. Que votre aventure académique commence. Welcome to the Academy. Et hop, le premier badge. Magnifique. À ma collègue. Oh, on va compléter un truc entier. Notre belle collègue. Premier trimestre. Oh, la chambre miteuse d'étudiants. Ah, on est en mode point and click. Ça, c'est moi. Bon, allez. La batteuse. La salle des experts en évasion. Mon dortoir. Le phare, on dirait le logo VLC. Allez, la batteuse VLC. Si c'est pas Hagrid de Wish. C'est le garage à merde de Terracide. Oh non, il fuit encore. Comment on va faire? Sous pression. Oh, y a une escape dans ton garage à merde. Truc de ouf. Difficulté 3. Hein. En vrai, moi j'aurais mis difficulté 5 pour le garage toi, à merde. Ça mais fait bon. Juste 2 ans que tu essaies de résoudre l'énigme de la merde, mais. Allez, ça part. Content de voir que vous prenez vos repères. Je suis en plein milieu d'un boulot de maintenance. Une salle spéciale conçue pour le défunt Ilborns, le plus grand expert en évasion ayant arpenté ses couloirs. C'est uniquement réservé aux élèves les plus avancés de l'académie. On l'appelle pas la batteuse pour rien. Faut que j'aille à la salle d'observation pour prendre plus de Chatterton. Vous pouvez jeter un coup d'œil à l'évacuation d'eau pendant mon absence. Oh bah oui, y'a pas de souci. Allez.
ne touchez à rien. On va pas, on va toucher. Oui. Impossible de retirer ces clous à la main. On a de l'eau. De l'eau. Là, il y a un. C'est donc qui est milieu, milieu, droite, gauche, droite, milieu. On verra. Ouais. Oh là là. Oh non. Ah putain, fallait pas toucher à ça. Ne touchez. Merde. Ah. Aïe aïe aïe. Ah, je panique. Aïe aïe aïe. Ah, je panique, vite. Ouvre. Oh, comment je panique. Alerte, alerte, j'arrête pas de toucher à des trucs. Une main. Un sécateur. Un sécateur. Un marteau. Un tournevis. Je devais dévisser quoi? Je devais dévisser un truc. Ah bon, tu devais dévisser un truc? Je suis quasi sûr. Me semble. Je m'en souviens pas. Là, là, ici. Un marteau. Je devais dévisser la plaque. Mais non, je le marteau. Là, oui. Nous avons peur. Peur de l'eau. Hein? Ou juste le mot peur. On a peur de l'eau. On a Ah ouais? Hydrophobe. Bien vu, c'est ça. Le seul moyen de sortir, c'est de monter. Oui, je bah oui, faut passer la porte, mais on sait pas comment faire. Milieu. Oh là, oh là, les vieux claviers T9 là. Un, peur, faut marquer peur. Parce qu'il y a le petit signe. Oh oui. Comme ça. Ouais, ça fonctionne comme ça. Oh, normalement, putain. Ça fonctionne pas comme ça les T9, mais tranquille. Ok, don't panic. Take it one forward at a time. Je panique pas. Je panique pas du tout, il nous faut une clé. On n'a pas la clé. Je ne peux pas dénouer cette corde à la main. Sécateur. Poignée de valve bleue. Bah oui, tiens. Logique, on ne sait pas encore ce qu'il faut faire. Le jaune est impair. On n'a pas la jauge. Ah, on sait que le jaune est impair. Super. Aucune valve ne doit être réglée sur 5. Le rouge est le double du jaune. D'accord. On peut faire 1, 2. Donc on peut faire. Oh, c'est de 1 à 6. Un, donc on peut faire 1, 3, 5. 5. Donc on peut faire 1 ou 3. Non, tu peux pas faire le double. Donc tu peux faire juste. Si, je peux pas faire 5. Et le jaune doit oui, être impair. Tu peux faire 1, 3. Parce que de l'autre côté en rouge, tu dois faire le double. Donc c'est soit 1 et 2, soit 3 et 6. Ouais, c'est ça. C'est 3 et 6. Et là, c'est bon. Ah allez, plus vite, plus vite. Oh là, la clé rouillée. Ouais, j'espère qu'elle ouvre la porte rouillée. Oh merde. Ça doit être ça. Oh, c'est pas ça. Attends, c'était où la clé? Oh, on a fait un autre indice, mais on s'en fout. Clé. Oui. Caméra portable. Et qu'est-ce qu'on va foutre avec ça? Aucun signal. Elle m'a filmé un code. Est-ce qu'on a... Ouais, parce qu'il nous faut un code, mais... Il faut la mettre quelque part. Je sais pas où. Je vais la plonger la caméra et elle filme un code. Ouais, mais comment je mets la... Voilà. Ok. Hop. Et là, on voit le code y a de vous. Y a des sur l'écran. Vous. De vous. 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 Oh, c'est un record. C'est des chiffres. On dirait des chiffres d'un réveil. Oui, mais faut les compléter. Si tu les mets tous ensemble. Ça fait trop de choses. Ça fait un 8 quoi. Ça fait un. Ah non, si on enlève. Parce que là, non. C'est bleu. Attends, j'y reviendrai. Ça me perturbe. Ça me perturbe trop là. Feuille acrylique. Feuille acrylique. Ah. Tu peux la poser dessus? Ah bah. Je peux épingler des trucs. Ah ouais, c'est des calques. Ah, ouais, donc ça peut être. On aura les chiffres avec ça. Ouais, ça peut être plein de choses. Là, on a un. Là, je peux te faire un 0 là. Ah, ça peut être un 0. Et ça, là, ça peut être un. Ça peut être ça peut rien, rien ça. Mais ça peut être un. 1 ici. 1. Mais. Et la feuille acrylique. Il en manque peut-être d'autres. Oh bordel. Oh oh. Ah ouais, vous voulez pas nous dire, d'accord. Trop dur. Regardez-moi tout ce bazar, tu m'étonnes. Y'a pas de feuille acrylique qui traîne là? Y'a trop de bordel, ils ont pas rangé la room. Ils ont pas rangé la room. Tu comprends plus rien.
C'est-à-dire faut qu'on se débrouille avec les deux feuilles acryliques qu'on a. Les chiottes. Oh. C'était MK combien? 2 je crois. Alors MK5. Tu m'emmerdes. Ça doit être MK5, une suite. Merde. Ça doit être une suite. Si ça c'est les MK, le MK5 ce sera. Tous décalent. Oui, les. Donc, le... Il faut tout décaler. Il faut décaler vers la gauche. Donc, ça fera deux ronds. Oh, rond, carré, rond, étoile, carré. C'est pas ça que non. J'ai fait ? C'était bingo là. Attends. Rond. Non, c'est ça. Le casting, c'est rond, carré, étoile, carré. Rond, carré, étoile, carré. J'ai ah, dû bah chier oui, quand dans même. La colle. Poignée interrupteur. Poignée interrupteur. Poignée interrupteur. Je crois qu'il y a quelque chose. Oh, l'eau elle monte. Là, le panneau électrique. Ah, mais oui, mais non, on n'a pas le code. Il manque une feuille. C'est non, ça se trouve, il manque pas de feuille. Ça se trouve, ça se superpose. Regarde, si tu superposes. Pose-toi deux secondes. En haut, ça formerait un. Ça marche pas, hein. Ça marche pas. Ça peut être un 6. Ça peut être un 8. Ça peut être un 6. Ça peut être un 6 ou un 8. Ça peut. Ah! Merde! Quoi? C'est 6. Voilà. Il manque la poignée. Pas de soucis! Rang. Reine. Je sais plus pourquoi j'ai lu en anglais. Reine. Le courant est coupé. Je t'emmerde. Le T9 il est assez intelligent pour savoir quel mot tu veux mettre quand même. Ouais, il est fort le T9. Profondeur de l'eau. C'est fermé et bien visé. Ah, petit tournevis. Bah, c'est bon. Sur. Sous. Sous. Si on met un tournevis dans une prise, c'est pas dangereux. Une dans les prises électriques. Ouais, ça fait rien. Sur, sous. Ok. Oh là là. Donc on a température, poids, humidité, pression, profondeur. Feuille de déchiffrage. D'accord. Okay. Appareil étrange. Qu'est-ce qu'on va en foutre? Ça fait beaucoup de choses étranges. Qualité de l'eau. Sur, sous. Oh non. Putain, prends le cahier. Ah ouais, mais. Ah ok, c'est bon. Ah ouais, parfait ça. Du coup. SBHF. S. Sous. Peu. Soupre. Sous. Soupré. Sous pression, je pense. Non, si, sous pression. Sous pression. Sur poids. Sous pression. Bon, alors, sur mets l'appareil. Mets l'appareil sous pression et l'autre sur poids. Pression. Voilà. Ah ouais. Sous pression. Retenez, sous pression, sur poids. Bah mets l'appareil, non? C'est des petits trucs, je pense. Ah, j'ai l'appareil, ok. Ouais, je pense que c'est ça. Parce qu'il y en a que deux. Ah oui. Ok. Sur poids. Et la pression, elle est là. Sous pression. Et donc on a quoi comme mot? Us. 4. Us. Plus. Et 4. On a plus. On a le jus là? C'est bon? On a du jus là. Enlevez cette maudite feuille! Ok. On est. Quasiment à la sortie. Faire tourner. Oh les emmerdes. Alors attends, où va le jus? Où il vient? D'où il sort? Ok. Tu viens de là. Je t'active. Bon, ça va être facile. Loop. Loop. Film. Film. Roi. Roi.
Aïe. Non mais attends, il y avait... On a des coins inférieurs, donc on sait que ça correspond à quelque chose. Donc ça c'était Lou film. Ça c'était film. Là... En bas à droite c'est film. Est-ce qu'on peut marquer ça quelque part? Par exemple dans le chat. Fragile. Voilà. Cette feuille me rend très perplexe. Ah, je t'avoue qu'elle m'a perdu la feuille. Bah, donc okay, le 1 ce serait film. Ça, tourne un coup, parce que pour m'assurer. Ok, film. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit connecter ça? Dose. Le 2 ce serait dose. Le 2 serait dose. Film, dose. Bois. Le 4 ce serait bois. Le film, bois, dose, bois. Et il manque le 3. Celui qui est en bas à gauche. En bas à gauche, il est là. Film, dose, bois. Et celui-là, il arrive de là. Mar. Alors ça fait film, dose, mar, bois. Les initiales ? Ah, ce serait débile. Ah non, non ! Non, non, non ! En fait, c'est... Non ! En fait, c'est juste les... Ah, c'est la seule... Ouais. C'est la lettre, ouais, compte. En fait, du coup... oui ! Oh, merde ! F... Du coup, faut... Alors, film... Attends, film, c'est le 1. FD... M... B. FDMB, ça n'a aucun sens. Ça mais marche pas. Je pense que... Non, et... En fait... Donc ça, c'est film. Donc c'est F. Donc c'est ah F. Non. Non, non. Si, non, mais si, c'est la lettre. Donc oui, c'est le M. C'est M. C'est oui, M. C'est la M qui compte. C'est M. M-O. M-O. Mort. M-O-R-T. Cherche pas l'autre lettre. C'est ça. Ah putain, les enculés. M-O. D. Mort. Quoi? Ouais, mais en fait, tu vois, tu sais, s'il y a autant de cases, c'est qu'il y a d'ailleurs un système qu'on n'a pas compris. Genre, pour le 3, oui. Attends. Là, pourquoi le 4, il serait... On va se noyer, c'est tout ce que je sais. Parce que les autres doivent être utiles aussi, mais de quelle manière? Attends. M. On l'a fait le M? Oui, on a fait le M. Mais alors Ouais, mais le 1, tu vois, il est en haut à gauche. Donc peut-être que c'est... Ah oui, non mais c'est bon, en fait, je le voyais pas de la bonne manière. En fait, c'est les 4 cases. Oui, donc c'est F. C'est juste... En fait, je le voyais pas de la bonne manière. C'est F. Ah, il nous montre l'endroit. Oui, c'est tout. En par fait, rapport aux cases. En fait, je vois 4 cases, mais en fait, moi, je voyais que c'était juste le petit. Oui, le trait jaune. Mais oui, en fait, maintenant, il nous indique. Ouais. Ok. F. F. Ensuite, faut chercher l'autre. Ah, où est mon jus? Ah, où est mon jus? Je sais plus. Comme ça? Ouais, c'est bien là. Ouais. F. Ok. F. Du coup. F T. Là c'est un T. Ouais, c'est un T en, à la fin. Là c'est en un deux, R. En 2 ça va être O. Donc c'est F-O R-T. Fort. F-O-R-T. Ah putain, cette fois-ci on a été moins efficace. Oh putain, la fin. Oh. On l'a pas vu comme non, il fallait. Non, s'il vous plaît, on méritait. Oh, non, vous à comprenez plus. Le chat, vous comprenez, c'est juste que. Hein? Quoi? Ah, attention. Mais... N'oubliez pas. C'était... Mais... Morale, morale. Quelle est la morale, quelle de, cette la morale de cette histoire? La joie. Et... Et... Mais...
Ok. La peur. La peur. Rend plus fort. Ouais. Ok. La peur. Merde, non! Je me trompe de touche! La peur vous rend plus. Trop! Ah, c'est un peu fort! La peur vous rend trop fort! Bien joué, ok. Let's go. Oh putain. Hey, la fin tendue quand même. Oh! Ah, j'ai pris un petit coup de chaud là. J'ai pris 2 degrés. A plus le chat, a plus. Ah ouais, a plus ça. Vous inquiétez pas, c'est juste, on est totalement dans la norme et on a toujours un très haut potentiel. Ne vous inquiétez pas. À un moment, regardez, j'ai douté de votre potentiel. Mais en fait, vous allez voir que là, les temps sont incroyables. Et puis vers la fin. Et là, il y a eu. Bon. Impressive. Dinguerie, quoi. You shouldn't have even survived that. Mais c'est vrai que par contre, on a failli mourir à toutes les épreuves pour l'instant. Oui, à chaque fois. C'est con. Pour une école. Elle n'existe pas officiellement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est vrai. C'est un secret. Ah oui, oui. Ok, Jeb. Ah, my star student. Jillian Paisley, une autre élève talentueuse de première année. Oh, c'est notre rivale. Je ne suis pas vraiment sûr qu'on ait beaucoup de choses en commun. Elle commence à être arrogante. C'est notre rivale. J'ai déjà 4 badges. On en a chopé 2 en 10 minutes, mais ok. Et toi, ça fait 4 ans que c'est la bouffonne. Vas-y, elle, faut l'humilier. Vous vous guérez d'amitié en un rien de temps. Jamais de la vie. C'est... Putain. Tout s'aligne. C'est Draco Malfoy. La première place de l'académie est déjà prise. Par qui? À mon avis, c'est pas elle. Il y a un grand rival. La salle des experts en évasion. C'est qui ce loubard? Artiste de l'évasion. Limite de temps 30 minutes. Si on le fait pas en 10 minutes, on est des grosses merdes. Ah, je me désolidarise de ce qu'il vient de dire. Si on le fait pas en 10 minutes, j'offre 10 subs. Ok. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Ok. Attends, 10 okay, minutes. Je te tape dans la... Attends, 10 minutes, c'est quand même pas beaucoup. Allez. Bah, c'est que maintenant que tu viens de t'en rendre compte. C'est pas beaucoup. Tu donnes 30 non, minutes autres, pour moi, autres, ça veut dire les autres, que on les a fait c'est... en moins de 10 minutes ou pas? Je crois. Hein. Bah, la précédente, on l'a faite en plus de 10 minutes. Alors qu'elle était difficulté 2? Non, elle était difficulté 3. Ouais, la précédente. Mais celle d'avant, on les a fait en moins de 10 minutes. Alors 10 minutes. Oui. Sinon, je suis une grosse pute et j'offre 10 petits subs. Moi, c'est Sleep. Dommage. C'est pas choisi, ok? Je n'arrive toujours pas à y faire. Pourtant, je suis prof d'art depuis quelques années. J'avais commencé par un cours de composition basique, mais j'ai une meilleure idée. Le monument de l'évasion. C'est le premier truc que j'ai tagué quand j'étais élève et ce sera une excellente leçon pour vous. Si vous voulez réussir la classe d'aujourd'hui, vous devrez trouver les peintures que j'ai cachées et laisser votre marque sur ce monument. Faudrait mieux de vous dépêcher, elle sera bientôt de retour. Allez, 10 minutes. Il faut laisser notre place ici. Sup. Ok, taguer le monument. All right, get to the paints. Ta gueule. Work on the monument. Easy. C'est un truc de relief, okay. C'est un truc de perspective. De perspective. Tu en as parlé tout à l'heure. Les œuvres d'art taguées au sol. Exactement. Celle-là, tu te mets d'un certain angle, je peux te dire que tu vois quelque chose. Ouais. Oh non, mais je peux pas faire 10 minutes, il faut trop marcher. Je ne peux pas l'encadrer. Ok, il y a des flèches, il y a trop de trucs à voir. Ça... C'est horrible, je pourrais jamais. Forme. Il faut toi tu dois taguer les traits qui sont à relier. Attention, encre invisible fraîche. Il faut du citron. Ah, donc il faut la comment bien bleue. Dessiner. Banane, fromage, vin. Attendez, c'est ma liste de courses. Je la prends en photo, on sait jamais. Ouvrir. Il y a des bananes. Banane peinte. Banane peinte. Il faut faire un ordre. C'est avec un les ordre. Objets. Peinture, sésame, ouvre-toi. C'est les flèches. Ça masque. Gauche, bas. Gauche. Attends, non, faut le remettre dans l'ordre du coup. Oui. Faut que ton cerveau remette le dessin dans l'ordre pour avoir l'ordre des flèches. On peut pas déplacer les images du tableau là? C'est vraiment comme ça? C'est ok? Attends, c'est horrible. Mais c'est horrible. Ah, c'est horrible. Alors. Droite. Ah non, il a dû signer en bas à droite. Mais... Il a dû signer en bas à droite. Ah non, parce qu'il y a le personnage. Ok, je pense sub c'est en bas à gauche. Donc. Flèche vers la droite. Slip, hein. Ensuite... C'est pas sub, c'est slip.
Pardon, j'aime trop l'argent. Slip. Du coup, c'est une flèche vers la droite. Après, il y a l'image du ballon. Parce que, tu sais, on voit la fin de Slip. Ouais, donc, bah, flèche vers ballon, la droite. C'est... Ensuite, il y a la main de la meuf qui tient. Donc, c'est là. Donc, flèche vers la gauche. Ensuite, il y a un bout de... Ensuite, c'est... Donc, c'est droite, gauche, bas. Droite, gauche, bas. Non, attends, il y en a d'autres. Non, il y a un problème. Non, il y en a d'autres, Il y a un problème. Droite. Là. Gauche. Droite, gauche. Il est où son putain de bras, c'est un truc de ouf. J'arrive pas à rejoindre. Mais je comprends pas. Attends, ça c'est la fille. Je comprends la pas. La fille, si je la mets comme ça. Moi je fais dans la tête pendant que toi tu... t'inquiète. Là j'ai complété la dame. Fromage. Donc c'est... Banane, fromage, vin. Il me faut du vin. Au bas droite. Non, pas au bas droite. Banane. C'est ça, mais quelque chose doit aussi aller sur cette table. Fromage. Et vin. Nanana. Et ça fait quoi? Bah. Ça fait quoi? Quel sens se cache derrière cette nature morte? Oh baba, c'est sûr. C'est-à-dire? Ça... Je peux mettre un tableau ici. Okay. Oh ah, putain de merde! Mais non, depuis tout à l'heure, j'étais en train de le faire. J'avais oh baba, il me restait que deux trucs. Oh, fais chier, putain. Hop. Putain, coup, c'est une référence à Banksy qui a fait disparaître son œuvre en direct de vente aux enchères. En la désintégrant directement. Tu crois que c'est ça? Non, c'est pas ça. Bah, c'est ah ça. Oui, c'est une référence. C'est ça. Ah oui, oui. Oh, non, oui, j'étais d'accord avec ce que je disais. Mais je parlais de mon dessin. D'accord. Droite, gauche, droite. Au baba. Droite, gauche, droite. Mais tu vois, j'avais ce putain de au baba. Je l'avais recomposé dans ma tête. Droite, gauche, droite. Au baba. I don't even know why we je sais pas les touches. Oh. Hein? Ah, c'est un scanner. Regarde, gauche droite, tu peux pas déplacer. Si. 1 c'est une fontaine. 2 lampe. Poteau carré. 3 serrures. Serrure géante. Ça c'est un sacré code. OK. On va aller voir la fontaine, lampe fontaine, et serrure. Poteau, lampe. Mais il y a trop de trucs à faire, jeu impossible à faire en 10 minutes, il y a trop de trucs à faire. Vous êtes des chiens, vous m'avez arnaqué. Vous le saviez très bien, vous avez acheté le jeu sur Epic Game Store avec le code Wankill. Vous me faites chier. Ah, ça me détruit, putain, je me suis fait baiser. Y'a rien, y'a pas de fontaine, y'a que da... Si, la fontaine est là-bas, non? Ah, je peux courir. Fontaine. Ok, c'est ce signe-là, ce symbole. Je le prends en photo pour... Poteau carré ensuite. C'est ça, c'est celui-là. C'est là, c'est là, tu es. Ah, et c'est... Vas-y, mais... Tu vas où là? Je vois pas de quoi tu parles. Ça. Là. Ah donc ça oui. Ok. Et donc carré ça c'est quoi rond, comme symbole? Carré rond. Ok. Bon c'est compliqué. Et l'autre c'était la serrure. Regarde, carré là, rond 3 points. Ok. Et donc bah tape le code maintenant. Ok. Carré bon, au gauche, au droite. Ah oui. Au bas. Hein? Gauche, au gauche. Ah, y a le cas, attends. Non. Ah, non, c'est, non, au c'est gauche, milieu. Milieu droit. Non, c'est. Non. Non. C'est. Milieu gauche. Milieu gauche. Milieu droit. Bas gauche. Oh, je vais vous baiser le chat. Sculpture étrange. Refais-lui le portrait. C'est un visage et un vase. Oui, je l'ai déjà vu. Oh, je m'en fous. Sculpture étrange. C'est quoi cette merde? Je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un nez avec un putain, j'ai oublié le nom quoi. Un sifflet, un serre-tête, un septum. C'est là. Oh, vous êtes tellement dans la merde. Ding 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 dong dong. Tadam. C'est pas bon. Faut faire. C'est les 7 différences. Ah, c'est le visage. Attends. T'as vu? C'est le poteau en forme de visage. T'y étais? Le premier c'était le poteau en forme de visage. Ou peut-être s'ils sont tous comme ça, mais en tout cas, regarde quand tu te mets en bas. Regarde, reviens sur le poteau. Là ça. Regarde. Vas-y, clique. C'est le visage, en bas.
Ah oui. C'est vrai. Mais du coup, ça sert à quelque chose? Du coup, faut... on doit avoir un modèle de référence. Ok, il faut les bouger. Il faut les bouger. Mais oui, mais il faut trouver le bon. Mais par rapport auquel? Et pourquoi? Et comment? Et comment fait... Bah, c'est celui qui a les visages, du coup, j'imagine. Attends, regarde. Si tu regardes... Attends, regarde différents poteaux. Je pense qu'il y en a qu'un seul qui a des visages. Lui, il a des visages. Regarde l'autre. Ah, plus de visage. Il a le cubique, il a visage. C'est celui-là. C'est une illusion d'optique. Les sourcils qui sont en diagonale. Penché comme ça. Voilà, ensuite. Et il a bouche fermée. Plus fermé que ça. Il reste. Attends, il reste plus beaucoup de temps. Mais c'est complètement pas ça. Non, il a la bouche un peu plus ouverte quand même. Je dirais qu'il avait la bouche ouverte. En grand, ouais. Bizarre. Je peux bouger quoi d'autre? Je peux bouger quoi d'autre? Les yeux. Il a pas d'œil. Ça doit compléter avec un autre. Ah bon? C'est pas un visage. Y'a pas de visage. Y'a un visage. Y'en a un. Mi-ouvert. Je dis toujours pas d'œil. Mi-ouvert la bouche. Moyen. Comme ça. Ok. Oh salaud. C'est visage. En les bas yeux. À droite. Les deux en les bas. Yeux. En bas à droite les deux. Ah Potter, tu essayes de faire en moins de 10 minutes. C'est bon là. Oh là là. Ouvrez. C'est ouvrez. La fin ou pas? Ouvrez. C'est pas la fin du tout. Clé numéro 2. Clé numéro 5. M'en fous. Des tableaux. Un trou de serrure. Bah, là, c'est au hasard. Ah bon? Tu sais pas ce que je fais. Max. Ah, on doit voir le profil avec ce que t'as regardé avant. On doit voir leur profil. Des silhouettes, t'imagines? Ouais, c'est des silhouettes. Tourne du bon côté. Ah, une grosse barbe, c'est... Tournez vers la droite. Le capitaine, tournez vers la gauche. Elle c'est à gauche. Chapeau gauche. Capitaine à gauche. Et l'autre chapeau gauche. Le bandeau à droite. À droite, c'est bon. Du chapeau coup, gauche. C'est lequel qui va pas? Chapeau gauche. C'est lui. Ouais, il faut qu'il aille tout droit, lui. Clé numéro 7. Clé numéro 4. Clé numéro 3. Hein? T'as qu'une minute. Une minute. 10. 5. 5, 10. 7. Pas compris. 40 secondes. Attends, je remets la même là. Il y a plus que logique. Je peux pas reprendre les clés? Je peux pas reprendre les clés? 1 5 5 8 secondes. Comment ça 5? Aïe. Les 10 minutes sont mais passées. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quoi 5? Fils de pute. Oh bah il a rien demandé. Mais c'était là, j'avais pas vu qu'il y avait une autre serrure. Mais je savais très bien ce qu'il fallait faire 3 plus 7 pour faire 10, vas-y c'est bon. Oh non mais je savais le chat, non mais je savais, c'est bon. Bon j'aurais jamais eu le temps, de toute façon impossible de faire cette ouais, épreuve. J'aurais jamais eu le temps. En fait vous avez triché, en gros tout ce que vous avez fait c'est tricher toute votre vie. Voilà c'est tout. Timmy, Wyatt, Michel. Oh bah alors là, voilà, bah j'ai même plus de pression, alors là. Oh. Oh, que. Qui regarde en haut? Ah, faut regarder par rapport au tableau de dehors. Ici, là. Ah, il est décapité? Ah, lui, il se fait décapiter. Ah, oui. Donc, il a la tête coupée. Donc, c'est le gars avec une petite queue de cheval, c'est tout à gauche. Tout à gauche. Ah, c'est... Hop, décapité. Coupède. Oh. Ah, il y en a un qui a une tête servie sur son plateau aussi. Oh! C'est lequel? Tu l'as relevé? C'est un gars, il a l'air bené. Ah, c'est lui là. Ouais. Remets le bob. Voilà. Putain, je suis trop fort, je mérite pas de payer 10 subs, je mérite pas!
Je mérite pas de payer 10 subs, genre. Quand j'ai vu marquer temps de 30 minutes, c'était obligatoire que le temps moyen c'était 15 minutes et pas moins de 10. Bah oui, mais je pensais que la difficulté serait comme ça. Alors, l'homme à lunettes, il fait quoi? C'est des petits ou plus grands? Ah non, attends. Ça fait quoi les statues déjà quand tu cliques dessus? L'homme à chapeau est plus grand qu'un cheval. Non mais attends, ça fait quoi quand tu cliques sur les statues d'abord? Ah, tu changes l'ordre, ok. Donc oui, vas-y. Alors. Lui, faut regarder par rapport à la barrière. La barrière, il est à peine plus grand que la barrière. Il fait la taille de la barrière. Lui, il est vraiment plus petit que la barrière. C'est vraiment très petit. C'est le 1. Ensuite, par rapport à la barrière. Mais tu vois, lui, il est plus grand que la fille. Ah oui. Ça, on s'en fout. Du coup, la fille est vraiment petite. Et la fille est plus... La fille... Mais là, ouais, voilà. Mais là, en deuxième. Hop. Et mets le chauve en troisième pour être... Ah ouais? Elle est plus petite que lui? La fille est plus petite que lui. Ah oui. Et lui, l'homme au chapeau, il est vraiment grand. Il est plus grand qu'un cheval inverse, et que la barrière. Inverse, c'est les deux derniers. Et le chauve, je pense, il est... Bon. Ouais. Le problème, c'est qu'on a trop de talent et le chat ne le reconnaîtra même pas avec sa mauvaise foi. Et je vais devoir payer. J'ai juste donné un objectif irréalisable. T'as pas appris la bombe de peinture. Ça aurait été marrant qu'on arrive là à 9 minutes 50 et que je sais pas ce qu'il faut. Putain, mais j'ai... Franchement, j'ai fait tous les efforts du monde. Et à mon avis, il l'a donné au tout début, hein, parce qu'il t'a dit prends cette bombe de peinture. Elle est pas à côté de lui. Better hurry, or we're both gonna be in trouble. Oh. Putain. Tu sais, ça m'étonnerait que ce soit là, je sais pas. Ah! Bah, c'est quoi ça? Oh, c'est la bombe de peinture à tous les coups qui est là-dedans. Bah les bananes et tout, on l'a fait? Ouais, j'ai fait là, mais j'ai pas résolu en fait. Ah, d'accord. J'ai tout placé tous les objets, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah regarde en perspective, il doit y avoir un chiffre. Voilà, t'as le 3, t'as le 0, 1, t'as le 1. 3, 9. Ah, c'était un 9. Ah. Bon, ok, j'aurais pas pu réussir. En fait, ça me rassure, c'est même pas mon intelligence qui est en cause, c'est le fait que j'aurais juste pas pu réussir. Ah ouais, c'était vraiment impossible de le faire. Oh ouais, d'accord. Ah ouais, bon bah très bien, ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, attends. Mais le but, c'est de faire quoi? Bah ouais, je sais pas. Jaune, bleu, rouge. Jaune. Bleu. Mais là, il a le droit de passer par là? Bleu. Rouge et bleu, violet. Alors le daltonien, comment il va faire? Alors le daltonien, rouge. Celui qui nous manque, c'est en bas. Ah, c'est là. Donc là, il nous faut le bleu et le jaune. Le jaune. Pour nous donner le vert. Breaking into the teacher's office. I know that game. Ah voilà, c'est bon. J'imagine. À moins que... Putain! Il a fallu plus de 15 minutes. En fait, même 16 minutes. Je pense que personne n'a jamais fait cette salle en ce temps-là. Et c'est un truc de ouf qu'on va être puni. On va être puni avec ce temps. Alors que... C'est fou, non? Alors c'est n'importe quoi, je suis d'accord avec toi. Putain, c'est juste un mauvais deal, c'est tout. Un mauvais deal. Alors, Potter, on a réussi la salle en plus de 16 minutes. It's official. You're up there with the greats. Elle a un goût amer, cette victoire. 15-54. J'aurais dû dire 15 et j'aurais quand même eu le somme, voilà. Bon. Mais bon, c'est un A+ de la place d'un slip. Allez. C'est parti. C'est parti quoi? Bah, je vais offrir les subs. Ah oui, c'est vrai. Je m'oublie.
Oh, tu regardes même pas tes dents, t'es tellement dégoûté. Je veux rien savoir. Putain. De toute façon, vous êtes saucé, mais il y a 0,001% d'entre vous qui auront un sub, donc... Je m'en fous, vous serez tous déçus au final. C'est pas sympa. Eh ouais, les gars. Pour fêter ça, 4 minutes de pub. Ouais, vous mériteriez, mais bon. Je vais juste vous donner 10 subs. Attention, vous vous régalez, c'est bon, vous régalez. Ils ont bien dégusté. Pff, merci Wankey Studio pour les 10 subs, hein, si les autres pouvaient en faire autant. Merci, hein, merci à ces généreux donateurs, hein, évidemment. Ouais, bien sûr. Prenez exemple. Oui. Les gens qui ont bon cœur. Aïe aïe aïe. N'empêche, encore un très gros temps en notre actif. Le bureau de la doyenne. Il va mettre ça pété la doyenne. 25 minutes pour 3 de difficulté. C'est là ça va être. Celui-là tu le fais en 5 minutes. Allez, 100 subs si je le fais pas en 2 minutes. Let's go. Je vous cherchais partout. Voici le professeur Kanti, un super ordinateur que j'ai moi-même créé. Il vient de découvrir quelque chose d'incroyable. Mes scanners ont découvert quelque chose d'impossible. Il Barnes est en vie. Mais non, c'est impossible. Il Barnes est mort depuis des années. C'est impossible. Merci Nephilios pour les 10 subs offerts. Tu viens, oh merci, hein, tu viens de des le sœurs, rembourser. Le chat a pas le seum. Il est retenu prisonnier dans un bas. Merci Kainel pour les 10 subs offerts. Oh, ce coup marketing était merci, maîtrisé hein. À la perfection. C'était vraiment très très bien joué de ta part. Aïe aïe aïe. Hey, j'en donne 10, j'en reçois 20. Putain, j'ai trop le seum. Oh là là. Il est retenu prisonnier dans un bateau prison de haute sécurité commandé par un groupe de scientifiques spécialistes de l'anti-évasion. Oh, c'est satané scientifique. Nous avons peu de temps pour organiser son sauvetage. Je maintiendrai les communications avec la directrice, mais quelqu'un devra la guider. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'aimerais que vous soyez ma seconde paire d'yeux à l'académie. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de tout ça pendant mon absence. Il est mon plus vieil ami, il m'a sauvé plus de fois que je pourrais le compter et maintenant c'est à nous de le sauver. On va faire à distance du coup. Ouh. Ça semble dur, je sais pas. Ça me fait peur. Oui. I read you. Quoi? Le micro copy. Pour dire oui, oui. Copy. Oh putain. I am maintaining the audiovisual feed. You should get back to work. Ok, c'est le plan du bateau. Ça compte le temps de la mission. Très bien. Ici. Academy, please acknowledge. Le bateau a d'abord été repéré par ici. Ok. L'ordinateur est verrouillé sur le bateau prison. Je veux vous répondre. Ah, copy. 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 Ah, c'était nous de l'opérateur. Ah, okay. Affirmatif, ok. Affirmatif. 10-4. Vous recevez. Donc on fait un 10-4. On lui fait un 10-4. Academy, please acknowledge. 10-4. Copy that, I'm headed inside now. On lui a donné l'ordre, je sais pas si c'était bon. Ah. Si, c'est bon. Non, c'est bon, c'est ok. I'm in. Doesn't seem to be much security presence, but... Oh, attention, McGonagall, des tirs McGonagall. J'ai besoin du numéro de série. T plus bonhomme, T plus roi, 4 bouteilles. 4 bouteilles. T plus roi, 4 bouteilles. C'est dans le manuel, ça? Ah non, je pense pas, là. Je ne pense pas non plus. Il y a beaucoup de pages, hein. Oh la vache. Eh ben, t'es... Réponds, ordinateur quantique de merde. T plus roi, 4 bouteilles. Un bon donut. T plus... Il y a marqué T plus. Regarde, sur la machine d'avant. T plus 2. Bah, comme là, hein. Et le petit bonhomme, il y a pas un truc qui symbolise un petit bonhomme sympa? Ah. Non. Ah. Ah.
recevra jamais ce mec. On fait moins le malin là. En plus, comment on lui transmet le code post-toilette? Je l'envoie post-toilette. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais aux toilettes. Academy, I'm taking fire. I need that serial number. Pardon. J'ai eu un bruit de chasse d'eau. Ouais. T'es roi, mais roi, bonhomme comme ça, c'est... 3, quoi t'es roi, 3, c'est un rébus. 3, mais après si c'est un rébus, ça n'a aucun sens les bouteilles. 3, 4. 3. 3, 4. That wasn't the serial number. Come on, I know you can find it. Academy, I'm taking fire. I need that serial number. Après, ce que je sais jamais dans ces jeux-là, c'est est-ce que l'énigme est vraiment en français, tu vois, genre... Ouais, s'il y avait des mots en français tout à l'heure. 3, 4 bouteilles de Polyakov. Je lui envoie ça. 3... C'est quoi ces bouteilles, là? Un panneau vierge étrange. 3 et 4 bouteilles... Les 4 bouteilles me... C'est bizarre que ce soit juste des... Oh, je viens de voir. C'est juste pour dire le 4. Je viens de voir la solution, elle est tirée par les cheveux de fou. Ah ouais? Enfin, non, elle est pas tirée par les cheveux de fou, mais on n'y aurait pas pensé avant encore 5 minutes, je pense. Dis-moi ça. 3, 80. Waouh! Putain, moi, c'est vraiment un jeu de mots français, mais j'aurais jamais deviné. Moi, je suis vraiment en mode bouteille, tu vois, genre les grosses bouteilles. 3, 80. Moi, je l'aurais jamais eu. Ah ouais, là j'avoue, c'était le par Joker. Contre, ils ont Joker. Vraiment fait des... C'est très fort d'avoir fait des jeux de mots en français, le jeu il est pas français, non? C'est bien. Non, non, il y a plein de langues. Est-ce qu'il y a un ordinateur sur le pont principal? Pont supérieur? Non, il y en a pas sur le pont principal, c'est pont 01, non? Bah, le pont supérieur, si elle est au 1, oui, tu peux le dire négatif. Elle va se faire tirer sur McGonagall. Ok, so which deck is the computer terminal on? Je vous dis ça tout de suite. Lèche ton doigt avant de tourner les pages. Sur le 2. Pour 2. Headed there now. Good work, Academy. Ouais, je sais. The ship is on the move. I require its new coordinates to maintain our connection. Ah bon? Quelle heure est-il? Ah, ça c'est le temps de la mission, ça n'a rien à voir. I am maintaining the audiovisual feed. Signal perdu. Où est le bateau? Quand tu scannes, ça fait quoi? Où est le bateau? Le bateau, il est, il a dû bouger, donc il est à T plus 3 maintenant, peut-être. Updated coordinates needed for connection. En haut de cette île, il est censé être là. Ah, donc il a avancé, peut-être. Ouais, donc il doit être encore plus haut là. En haut là? C'est ça? Non, c'est plus haut. Mais ça me paraît bizarre que ce soit un peu juste comme ça. Si? D'accord. Donc il est là. Non, négatif! I'm accessing the terminal. Give me a moment. There is a lot of information here. I'm faxing it over. C'était vraiment le temps de la mission? Je sais pas. Non, c'est pas qu'est-ce qu'elle fait là? Elle répète? Elle nous a pas faxé un truc? J'ai entendu un. Est-ce que... Si, si, ça a imprimé quelque chose. T'as dit quoi? Attends, je vais répéter, je crois. Y'a pas le code pour répéter? Répéter. Répéter. Hey! Vous pouvez répéter? Mais répétez, vous êtes folle ou quoi? 19. Elle a faxé des docs. Ah! Ah, il est là! Il Barnes, Agent Hill, Hill Pipkin, le plus grand. Ne pas maintenir le sujet au même niveau qu'un compacteur de déchets.
Le sujet doit être battu entre la salle du courrier et la cafétéria. Doit être maintenu à un étage possédant un nombre pair de cellules dans la cellule numéro 3. Oh. Ça fait quand même beaucoup d'informations là. Je peux pas en mettre plein. Oh putain. Le plus simple qu'on peut retenir, c'est pas au niveau d'un compacteur de déchets. Donc ça, on a deviné quand même pas entre mal. Entre la salle du courrier et la cafétéria. Compacteur de déchets, là il y en a un. Donc pas ça peut être à ce niveau là. Ça peut être ça. Cafétéria, c'est pas là. Courrier. Et cafétéria, y'a pas. Il faut courrier et cafétéria du coup, dans une seule. Ah, je suis pas sûr, je pense que c'est entre les deux ponts. Mais attends, la cafétéria elle est où? Elle est là. Donc c'est entre le 3. Entre le 3 et le 7. 7, mais pas. Mais pas le 6. Au 6. Donc ça peut être 7. Vas-y. Ça peut être le 5. 5 4. 4. 7, 5, 4. Et c'était quoi l'autre, l'autre indice? 7, 5, 4. Ah, 7, 5, 4. Et c'est le nombre pair de cellules. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ça doit être le 7. Ah bah non. Est-ce que j'ai mal compté les cellules? C'est celui... Ah non, celui-là on l'avait éliminé. Ah non, c'est un nombre pair là. Academy, I need that cell number. Ah oui, j'en avais oublié une. C'est celui-là. Non, c'est le numéro 3. 503. Pour 5, 503. Yes! Trop facile! Allez, ramenez-le à la maison! Attends, c'est pas fini, je pense. Non. Il, c'est vraiment vous! Sandy, vous en avez mis du temps! Commencez pas avec ça, Barnes. Allez, on va vous faire sortir d'ici. J'espère que vous avez prévu la grosse Aetiri, ça fait des années que j'essaie de sortir de cette satanée cellule. J'ai bien mieux que ça. Oh putain. Le protocole Omega. Oh non, pas celui-là. J'appuie sur des trucs. Non, arrête. Répétez. J'ai pas écouté. 19. Répétez. D'accord. Blanc, rouge, bleu. Blanc-rouge. Oh! Blanc-rouge-bleu, blanc-rouge. Ah, faut le faire avec l'autre truc. Donc blanc, c'est 5-4. Ah non, mais là c'est 3-2. Quoi? Comment? Attends, fais voir là, encore un autre. Nous c'était blanc, rouge, blanc, bleu. Rouge, bleu. Blanc, rouge. Donc c'est blanc, rouge, bleu. Attends, juste le 3. Attends. Le 3 il est bon là, le blanc. Donc je le laisse comme ça. Voilà. Et le blanc doit descendre. Mais pas trop haut. Ah, d'accord. Donc c'est logique. Ok. Ensuite on cherche un rouge. Comme ça. Donc il est au 1. Wow. Il est au 1, il va au 3. Comme ça. Ensuite, il nous faut un bleu. Alors là, je vais être honnête, j'ai rien suivi. Je suis pas sûr d'avoir compris. Ah non, c'est moins 2. Le bleu, c'est moins 2. Je crois que j'ai compris. C'est en gros, par exemple, quand tu fais un moins 2, c'est du bleu. Quand tu montes de 2 crans, c'est du rouge. Quand tu montes d'un cran, c'est du jaune. Je pense que c'est ça. Tu vois, genre. Et le blanc, par exemple, c'est baissé de 1. Oui, c'est ça. Baissé de 1, c'est du blanc, d'accord. Tu vois. Voilà. Maintenant, j'en suis où? Merde, j'ai perdu. Bleu, c'est baissé de 2. Donc bleu, c'est baissé de 2. Et après,
après blanc et rouge. Et blanc c'est moins 1 et rouge c'est plus 2. Ouais, mais blanc c'est moins 1. Ah non, c'est rouge d'abord. Plus 2 et moins 1. Censé faire ça. Non, je suis presque, mais c'est pas ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'aller me faire une tartine de beurre de cacahuète pendant que tu essaies quelle de résoudre cette énigme. Le problème, c'est que je sais pas où ça commence. C'est ça que je comprends pas. Je sais pas. Que le blanc, c'est moins 1, mais on commence où? On commence toujours à 3? On commence toujours à 3. Donc blanc, c'est moins 1, donc déjà, c'est pas bon. Le ouais, blanc, je c'est moins 1. Quand je reviendrai, t'auras réussi à les résoudre. Donc oui, ouais, sans problème. Oui, sans problème, tu peux y aller. Rouge. Rouge, c'est plus 2. Ah, du coup, ça décale tout, putain, parce que j'ai raté le début. Bleu, c'est moins 2. Rouge, plus 2, et moins 1. Quoi ? Blanc, moins 1. Rouge, plus 2. Bleu, moins 2. Blanc. Je suis trop bête. Vas-y, vas-y, hein, moi j'ai... Vas-y, c'est bon, t'inquiète. Ah bah parfait, je suis en train de me la tartiner là. T'inquiète, t'inquiète. J'attendais juste que tu reviennes pour cliquer, mais j'avais terminé depuis au moins 5 minutes. Ok. Y'a pas de soucis. J'ai inversé le rouge et le blanc, c'est tout. Ah, c'est tout, c'était, ok. C'était très bête comme erreur, tu sais, en fait, j'avais tout compris. Ouais, oh! Ah. Je suis également électricien. Et voilà, toutes tes raisons. Charge. Ok. You restored our power. Bon. Impressive. Reconnecting. No Sandy. Oh là, ils ont des soucis, hein. Bon, moi j'entame ma première tartine, oui. Hein, pendant que... T'es un bâtard, j'ai faim. Fais pas ça. J'ai rien à manger, j'ai vraiment rien à manger. Que dalle. Là, même si j'allais chercher, je crois que j'aurais rien. We gotta do something here, Sandy. Oh, t'as toujours Uber Eats qui livre. Pas en plein live, quand même. We need to take out these turrets. Quatre dix-sept. Ah putain oui, 17. Oh là là. Tourelle. Oh. Tire sur les Arrêtez. Autres tourelles. Arrêtez. Il y en a encore une. Arrêtez! Easy. Heureusement qu'on n'a pas parié des subs sur celle-là. Ah, plus! 15-28 quand même, hein. C'est pas mal, hein. Franchement. Alors, tu as le contrôle ou pas là? Ouais. Si tu cliques. Ouais. Je vais pisser. Ouais. Je vais pisser et absolument pas chercher si j'ai un truc à manger. Ok, je te crois. Pas de soucis, je m'en occupe. Alors. Voyons voir. Ce qu'il y a à faire. You boys, back at the academy. All because of you. Merci. Non, mais on va finir en fait là. On doit bientôt compléter. Super. J'ai fait peur à ma chatte en prenant cette voix. Je rêvais de pouvoir faire ça depuis le jour de ma capture. Cette petite anti-évasion. J'avais presque oublié que ça faisait d'être sur le terrain. Mon cœur bat la chamade. Mais on a réussi. Bon retour parmi nous, l'ami. J'ai du mal à croire que je sois là. Il y avait des jours où je pensais que je n'allais jamais revoir le monde extérieur. Et encore moins l'académie. J'ai pensé souvent à vous dans ma cellule, je me branle. J'aurais voulu vous sortir de là plus tôt. Si j'avais su que vous étiez en vie. Vous ne pouviez pas le savoir. Mais c'est le passé. Tout ce qui compte, c'est que vous m'avez ramené chez moi. Eh bien, je n'étais pas toute seule. J'ai demandé de l'aide
de l'une de vos étoiles montantes. Sans ça, nous n'aurions jamais pu sortir de leur envie, même si l'un d'entre eux est parti chercher une tartine de beurre et de chouette. Bon sang, vous devriez vraiment avoir besoin de points en plus, hein. Bon, j'ai eu suffisamment d'action pour aujourd'hui. Je vais aller me balader un peu. Impressionnant, ce que vous avez fait. Je n'aurais pas pu faire un meilleur choix pour couvrir mes arrières. Chapitre 2. Deuxième trimestre. Oh. On va dans une chambre de clochard. Tu visites le dortoir ? Oh ! Oh bah tiens. C'est pas Quanti, l'ordinateur quantique. On se croit dans un truc pour enfant de 8 ans. À toi. Alors, t'as trouvé quoi à manger ? De la merde. Des galettes de riz nappées de chocolat, là. Oh, mais ça, tu dis ça à chaque fois. Il faut vraiment penser à acheter quelque chose de bon, hein. Mais en fait, quand je fais les courses, je me dis... Allez, on est sérieux, on prend pas de... Prends pas de gâteau, de trucs apéritifs, oui, après, de trucs. Regrette. Et après, je suis en mode, mais y a rien. C'est chiant. Il Barnes a accepté un poste d'enseignant ici sur le campus. De par son retour, il revivra une vieille tradition de l'académie, la salle des rivaux. C'est une compétition féroce qui voit s'affronter des élèves. En tant que responsable du tournoi, le professeur Barnes recrutera des talents tout au long du semestre. Recrutez-moi. J'ai hâte de voir qui en a dans le ventre pour se qualifier. Je vous en prie, appelez-moi Hill. Hill. Une récompense au gagnant ainsi que le titre de virtuose de première année. Oh là là. En plus vous pourrez gagner un badge, mais il va falloir se retrousser les manches. C'est bon. Si ce badge, j'ai à l'heure moi. Ah bah dis donc, la galette de riz là, elle est bien enfournée là. Elle mange une galette de riz. N'hésitez pas à faire point exclamation jeu. Ou à cliquer sur le lien dans la description parce que on fera pas toutes les énigmes ce soir hein, parce que il y a 10 badges oui, quand même. Donc taper, hein. Disons que les plus intéressantes et les plus difficiles, vous les ferez vous. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas. Ah, les petits génies. N'hésitez pas sur l'Epic Game Store et à cliquer sur le lien. Waouh. La cafétéria, la salle informatique ou la serre. Tu choisis. La serre. On va devoir nourrir des plantes et tout. On pourra faire un mélange potassium-sodium. Ça part. Regarde cette jardinière. 25 minutes, difficulté 3. J'aime bien. Ah, hola. Hola. Professeur Bonilla. Bienvenue dans mon espace, je suis la professeure Bonilla. Dans une autre vie, j'étais experte en explosifs, mais je suis passé à quelque chose de plus passionnant. La production de thé. Je me suis donné comme objectif de réaliser la tasse... Pourquoi il y a A plus B derrière ? Tu seras qui, Bonilla ? D'ailleurs, elle un autre personnage en A. Et un autre personnage en A, il faudra le découvrir. C'est pas Sleep. Et j'ai enfin découvert ce qui me manquait. Je faisais bouillir monter dans une salle à température ambiante, mais au lieu de ça, et si on préparait la salle à température bouillante. C'est pour ça que j'ai réglé le thermostat à 220 degrés, ce n'est pas très plaisant pour vous, mais c'est parfait pour l'expérience. Emma, de quoi ? Oh. Putain, bah c'est pas du tout ton histoire de plante, hein. On va juste faire du thé. Ouais, j'ai un peu de somme. Astuce pour la préparation du thé. Ajouter de l'eau, faire bouillir, faire infuser les feuilles, ne pas mourir. Cool. Très cool. Le réservoir de propane est vide, il en faudra un nouveau. Il n'y a pas de pression. Je parie qu'il y a une autre valve quelque part. Cette terrière aura bien besoin de feuilles. Génial. Alors. Mais on est dans la serre avec les gémiardes. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Les gémiardes. Mimi Zéniardes. C'est pas ça les. Si, les je vois exactement, mais. Je vois exactement. Je suis un Potterhead, je sais tout. Oui, mais c'est quoi le nom alors ? Les cri-cris. Les mandragores. Les cri-cris. Les mandragores. Cri-cris, hein. Les cri-cris. Hop, on creuse. Et on trouve. Collier de la professeur KZ. Putain, mais elle a combien de mecs ? Une graine de sérénité. Attention, hein. Je ne peux pas tourner ces... Je vais les chasser avec une pelle. Ça va les rendre folles. C'est vrai. Les abeilles, ça pique ? Oui. Utiliser... Mais seulement si t'es agressif avec ? La bête. Oui, sinon, normalement, ils ne font pas chier.
tu t'assois dessus, c'est chiant quoi, elle pique. Qu'est-ce que c'est que cette... Il y a une logique dans l'évolution. Il y avait une dame que connaissait ma mère. Elle est morte à plus de 50 ans, tu sais comment. Elle a été piquée par une guêpe pour la première fois de sa vie. Elle savait pas qu'elle était allergique aux piqûres de guêpe. Elle est morte. Et elle est morte ? Ouais. Oh, c'est horrible. Parce que moi, je sais pas si je suis allergique à une guêpe. Moi non plus, j'ai jamais été piqué de ma vie. J'en sais rien. Franchement, je pourrais pas savoir. J'ai une graine de sérénité, collier. Ok, je la plante où, la graine de merde ? Une graine. Le véritable amour s'épanouit ici. KZ ? Ah ouais, mais... Il y avait AB et KZ ? AB et KZ. Mais bon. Ce serait abusé. Trop simple. Parce qu'en plus, tu revois quand le AB ? Masterclass. Bon, incroyable. Vous le revoyez. Masterclass. Truc de fou. Cet agencement semble intentionnel. Blanc, rouge, rouge. Oh ouais, et puis il y a des niveaux et tout. Oh là là. Ah, c'est criminel les notifs Burrit qui t'envoient. Vous avez une offre, ne l'oubliez pas. Pour... Si tu prends 10 burgers, tu gagnes 2 euros. Oh là. Alors là, va falloir retrouver. Il y a 6 trucs. Et là, il y en a 8. Ouais, c'est pas ça. Charmant, mais pas très utile. C'est 3 objets différents. Il y a quand même 3 objets différents. Il y a quand même 3 couleurs. 3 niveaux. On a les 2 gris au bout. Mets les 2 clés à molette au bout. Voilà. Les deux bleues, le problème c'est qu'elles sont sur un rang en fait. Ouais. Donc en fait, ce serait un peu. Ce serait ça. Là, voilà. Pour moi, ça, ce serait bon. Ce serait ce qui serait le plus proche. Sauf qu'il y a 2 rouges. Ah non, il y a 2 rouges. Donc merde. Oh, la bête. La découpeuse de tête. Putain, on va découper des branches. Ah merde, il y en avait aussi à faire là-bas. Pardon. Ok, mais avant. Mais avant. Alors, il faut faire les évolutions. Donc en fait, elles prennent chacun leur point commun et elles échangent. Donc là, c'est déjà fixe. Tu vois, sûr de l'évolution. Donc là, par exemple, c'est-à-dire que ça doit être une fleur comme ça, mais à rayures bleues comme ça. Et là. Ça va être une fleur, mais avec une fleur zébrée. Et là, ça va être ça, une tulipe à carreaux. Et là, ça va être la dernière. Waouh! 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 Oh putain, le réservoir vide! Hop là! Une bombe! Bouteille de propane! Génial! Je vais mettre du propane, je le mettrai après. Les papillons ne se poseront pas tant que les fleurs ne seront pas dans le bon ordre. La fleur C doit. Ah, ils nous font chier avec ça! Putain, les casse-couilles! Oh. Ah, bah oui, bah c'est l'ordre qu'il faut faire. La fleur C. C'est peut-être la deuxième la plus proche de la lumière. Bon, bah pour l'instant, mais là tout près. Hein. Les fleurs. La fleur A doit se trouver entre deux plantes. Bon bah déplace-la elle aussi hein. Non. Les fleurs A, B et E n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. Bon bah A, B, E ça va Les fleurs derrière, A, hein. B, E n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. T'as juste la E que tu dégages, la D c'est bon. La plante en pot bleu doit être juste à gauche des fleurs rouges. Ok. Oh, incroyable. Alors là, mais sucez-nous et se baie, putain. Bannisseur d'abeilles dangereuses. Non, c'est vrai. Bannisseur d'abeilles dangereuses et bourdon excessivement effroyable. Regarde, bad bee. Bad bee. Bad bee. Ok, bad bee. Il était là.
pas on a, des feuilles, on a pas de feuilles. Mais on a du... On a de l'essence pour... péter ça. Oh. Eh ben, qu'est-ce qu'on... La cellule végétale. Bon, ça, pas besoin du schéma, on connaissait tous, hein. Les mitochondries... Oui, ça, c'est un truc que tu vois en SVT et ouais. Ça s'oublie pas. C'est niveau 3ème, hein, donc si vous savez pas ça. Hop. Une balance. Que dois-je peser? Une graine. 0,23 grammes. Mon sérénité est enfin prêt à être planté. Ça sera peut-être mon chef-d'œuvre. PS, il faut que je continue de chercher ce collier. Je l'ai. C'est moi qui l'ai. Sérénité. Le collier, faut le peser. Peut-être. Moi, ça nous demande des lettres. Est-ce qu'on peut ? 405,5 grammes. Ah bah ça alors. Analyse du poids des graines. Ça faisait combien la graine ? Je n'ai aucune mémoire à court terme. 0,23. 0,23. Donc, alors... elle se trouve précisément là et c'est GTT. 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 GTT les gros dénés. GTT. GTT. GTT tiré quoi ? GTT. Tiré. GTTTTT. Ah, j'imagine c'est ça. GTTTTT. C'est quoi des chloroplastes? Ah, là il y en a combien des chloroplastes? Ouais. 5. CTG. Comment on peut voir? On n'a pas un microscope? Ah bah si. Alors, 1, 2, 3, 4. Il y en a 8. Tag. GTT tag. C'était ton... C'était pas GTTTTT. C'est pas très drôle comme jeu. J'ai du thé. Compliqué de faire du thé, hein. Une valve. C'était pour les abeilles. Comment on nique les abeilles? Ah! Avec un coup de pelle dans la gueule. Ouais, j'ai essayé tout à l'heure, ça n'a pas marché. Les abeilles. À la tronçonneuse. Putain, les abeilles, je sais plus. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié? Ah, ça, on l'a bannisseur pas fait. D'abeilles dangereuses et bourdon excessivement effroyable. Ouais. D'accord. Bad bee. Ouais, bad bee. Hein. Bad bitch. T'es en train de t'allumer une clope? Ouais. On a été irréprochables jusqu'à maintenant. C'est des couleurs, c'est une énigme pour toi là. Bah ouais, mais qu'est-ce que j'en fous de tes couleurs? Fais un effort. Correspondent à quoi tes lettres là? Ça fait quoi? Alors il aurait fallu m'expliquer, hein. C'est pas ça? Y'a pas de D. Si, regarde. Oh, il est là. Mais les pots, ils sont pas les bonnes couleurs. Mais non, mais... Attends. Ouais. Non, c'est des fleurs qu'il faut regarder. Bah non plus. Attends, si. Elles ont pas non, bah non. Elles ont pas non plus. Ou alors... Mais c'est les papillons. C'est les... Ils sont dessus, bah oui. Alors, vas-y. Bad, rose, y a rose, vert, bleu, rose, c'est du jaune en haut. Là, jaune, là. Jaune. Ça. Ouais. C'est... ouais. Oh, t'es le daltonien. Qui est dessus.
papillon qui est dessus, connard. Okay. Ah, c'est quoi? Ah, bah alors. Pardon. Ouais, j'étais distrait. C'est quoi, du coup? Rose. Bah, c'est plus, ouais, je l'ai dit. Vert, bleu. Ah bon? Rose, vert, bleu. Rose, jaune, jaune. Repousse abeille. On va les défoncer. Hop là, la flore, la faune. Ça dégage. C'est bon? Sûrement. Ouh, my big T. Bravo, vous avez fait un thé. A cup of tea can solve anything. 12 minutes encore pile. A plus. A plus, et ça mérite bien un gâteau. Aïe, 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 aïe. Résolu en 25 secondes. Trop facile. Steeped in the tea kettle and live to tell the tale. Moi, je serais d'avis d'aller à la cafétéria. Bah, de toute façon, a-t-on seulement le choix? Je crois qu'il y en avait deux autres, ouais. Ah. Une salle informatique, je crois. Ce sera sûrement notre dernière. La petite d'air, la cafette. Profitez-en, elle ira très vite, hein. Ah, le bon burger. Oh là. Épreuve de goût. Deux difficultés, pas de temps. Quoi? Ok. J'ai créé un petit casse-tête avec une récompense sympa à la clé, un milkshake. Mais génial. Oh, bah, j'adore. On va voir si vous parvenez à la résoudre avant que le milkshake ne se transforme en truc liquide. Les enjeux sont moins importants. Alors. Ah, il doit être délicieux, putain. Trois putains de cadenas. On peut laver. On peut manger. On peut manger. Il faut vraiment que tu arrêtes de tout bouffer. Mais j'ai faim. Une poêle avec de la sauce. Une poêle avec de la sauce en train de bouillir. Ok. Non. Les assiettes sont vides. Ah, pas celle-ci. Connaissance interdite sur les micro-ondes. Shoot Bruxelles, 4 minutes 10. Ok, glace, ouais. N'importe quoi d'autre, 10 minutes. Congeler les restes de pain. Who toasts a donut? Oh. Ça forme un mot. Tout. Moum. Oui, aussi. Ok. Des bonbons. Une fourchette bizarre. Tiens, une fourchette bizarre pour crocheter. Trois cadenas. Une machine à café. On a très peu de temps. Une poêle de base. De mauvaise qualité. Une poêle en fonte. Ah ouais. Des outils. Et le micro-ondes. Y'a quoi dans le micro-ondes? Un steak. C'est quoi la cuisson du steak? Cuisson du steak. C'est pas là, c'est derrière. Viande non identifiée. 3,35. Oh, faut pas mettre une fourchette dedans. Faudrait retirer la fourchette là. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Il me faut un gant. Il faut un gant. Ça là. Ouais, de l'huile bouillante. Vas-y, j'appuie à la tronche. Putain. Tout. Tout. Je vais éteindre oui, la viande. Tu vas le servir au client? Oui. Avec de la poudre d'extincteur dessus? Aucun problème, fourchette bizarre. Tu peux te dégager du congélateur? Une cuisine propre est une cuisine sûre. Retenez ça le chat. Ah les gros dégueux. Ouais. Laver, à part des fourchettes bizarres. J'aurais rien planté ces fourchettes, mais... Congeler les restes de pain. C'est quoi la suite, là? Utiliser objet. Tu peux pas crocheter?
Non, ouf. Et l'autre fourchette? Non, j'ai testé les deux là. C'est une 40. Ah, ok. Et je ne le ferai pas non plus ici. Oh, oh, c'est bon. C'est... Mais si, bien sûr que si. Attends. Je vais le faire peut-être là. Il nous manque une fourchette. Une fourchette, une fourchette. Une fourchette. Oui, il y en a. Ouais, elles sont pas bizarres. Elles sont pas bizarres. Eh, tu peux prendre la viande, non? Non, je peux pas. Ah merde. T'as pas une fourchette? Like strawberry. Elle doit être dans l'huile bouillante. Ouais, bizarre ça. Hein. Il faut que tu mettes. Alors, un conseil. Si vous avez de l'huile chaude pour l'éteindre, mettez de l'eau dessus, beaucoup d'eau, d'un coup. S'il y a de l'huile qui brûle. Ça va très très vite. Très très efficace. Putain! Fourchette de merde, tu crois qu'il y a une fourchette qui passe un moment? Non, ce serait trop con. Eh. Hey. Eh! Hey. Putain, c'est merde! Oh le milkshake! C'est tout! Mais attends, mais on l'a fait en deux secondes. Non, attends, oh, regarde. On a cassé le. Il y a quelque chose de bizarre dans cette pièce. Ah, c'est à cause du milkshake empoisonné. Ah bah je me disais, tu vois, l'enjeu était pas très. Ils vont me dire que j'ai 20 minutes pour trouver l'antidote, c'est ça? Le déjeuner n'est pas une excuse pour se laisser aller. Vous croyez qu'on peut faire une pause durant une évasion? Vous feriez mieux de vite trouver l'antidote. Ce truc n'est pas vraiment bon pour la rate. Salaud, putain. Et voilà, je suis empoisonné. Putain. Le code du congélateur. Mou. Regarde, c'était des tartines. Le code. Moum. Elle est où la tartine? C'était un donut. Ouais, là tu l'as eu. Moum. L'antidote. Ah, des petits pois, c'est pas ça. Ah, une boîte d'orange. Fuyez les mauvais régimes. Certes. Quelle pièce de... Comment ça tournait de l'œil? Quelle pièce de merde. Je me sens mal. Ah. Ah. Glaçon avec clé. Oh là là. Fais décongeler dans l'huile bouillante. Petite clé. Oh là 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 là. Oh non non, ça donne faim quand même. Je sais pas ce que c'est, mais ce buffet, le buffet. Si ça donne faim. Alors, c'est quand même drôlement chaud. Une assiette sale. Tiens, il faut la laver dans le robinet. Ouais. Oh, je peux me couper une part de gâteau. Mais pas tout de suite. Ouais, mais c'est vraiment pas le moment. Des formes. Des chapeaux. Oh, des chapeaux d'un certain ordre peut-être. Oh, et là-bas, il y a un truc. Oh là là. Il faut saler dans un certain sens. Il faut c'est saler. C'est comme ça dans les grands restaurants. Il faut saler comme ça. Ça, c'est quoi? Il faut une sacrée clé, hein. Ah ah. Bizarre. Mais alors où est le sel? Passez-moi le sel. Il est où le sel? Le sel. Alors. Un. Alors. Ensuite, vers la droite. Puis vers la gauche. Puis tout en bas. Waouh, c'était comme un coffre-fort. Antidote en ancienne, la Solange. Un soupçon de votre poison, trois soupçons du contraire. Un peu d'eau minérale, agité sans remuer.
Il faut prélever ton sang ou alors que tu craches dans l'eau. Nickel. On a ou alors il y a encore du milkshake. Il reste encore une part de milkshake. Est-ce qu'on a du milkshake? Il était sous la cloche. Est-ce qu'il en reste un peu? Il y en a plus. On a tout mangé. Les gros gourmands. On a un peu fait le tour de cette pièce quand même. Et de celle-ci aussi. Bizarre ça quand même. Ouais. Bizarre. Plat du jour. Oh, tiens donc. Putain. Ah oui, mais alors là, c'est pas aussi simple. C'est pas du tout en rapport avec ça, je pense. Quoi? Mais vu qu'il y a un œil, est-ce que ça se réfère à un œil? Genre celui-là? Mais il y en avait d'autres. Il y a le menu aussi. Je ne pense pas. Non, je pense pas non plus. Je ne pense pas. Ça forme pas un losange. Putain. Faut toujours pas se couper une part de gâteau, hein. Il faudrait un couteau. Ah, une fourchette aiguisée. Et ça, toujours pas non plus, hein. Ouais, ça, faut qu'on le trouve. Attends, on doit pouvoir le trouver, ça. Les tu vois les ballons là. Ah non, ça n'a rien à voir. Les confettis, ils font rien. Faut les compter. Il faut tous les rassembler. Comme des coupures de journaux. Ah non, non, hein. C'est peut-être dans la part de gâteau. C'est peut-être dans la part de gâteau, il y a des symboles. Mais il faudra donc il faut trouver quoi? Une pelle à gâteau. Ça va juste servir à prendre une part, mais pas à la couper. Prends une des armes au mur. Il y a des yeux partout là. Ouais, mais ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout. Couteau! Couteau de cuisine! On va manger du va gâteau. Te couper cette part. On va manger une belle part de gâteau. Mais sans pelle à gâteau, comment tu feras pour prendre une part? Je pourrais pas le faire parce qu'il faudra que je le fasse avec les mains. Mais je pourrais peut-être juste écarter la part. Qui la part? Didn't learn from the poison ice cream, huh? Oh, rouge, jaune, rouge, violet, bleu. Jaune, violet, bleu. Ta-na-na. La fève de Calabar. Un carambar. Provoque une teinte jaune de la vision des gargouillements. C'est pas ça. Provoque une teinte violette de la vision. Un pouls audible et la mort. C'est ça, c'est la pélatone. Cependant, quand elles sont mélangées dans les bonnes proportions, elles peuvent servir d'antidote. Il me faut la fève de Calabar. C'est Calabar, hein. Calabar, la... pas Calabar. La béladone. Non, le Calabar. La béladone, bah, c'est bien gentil, mais c'est pas au menu. Il faut que tu ouvres le placard où il y aura des ingrédients. Y'a pas d'ingrédients là-dedans? Regarde, c'est quoi sur les étiquettes? Extrait de fève de calabar. Extrait de calabar, bah oui, il faut ouvrir ça. Il te faut la clé. Mais quelle clé? La clé du personnel. Oui, mais elle est réservée au personnel. Ah, cette clé du personnel est certainement uniquement accessible par le personnel. Dans la poubelle. Non. Il faut résoudre cette énigme triangulaire. Les yeux... La pyramide alimentaire de la, du congélo. Ah oui, mais comment on connaît l'ordre? T'occupes. Mais c'est une pyramide, c'est pas un losange. Fuyez les mauvais régimes. Faut le faire de mieux en mieux. Alors, dans ce cas-là... Le vert, c'est le top. Le vert, c'est le top. Le jaune, c'est le pas... C'est le... C'est le moins bien. Le bleu, c'est le cool. Cool. C'est assez sucré. Donc et le... faut faire quoi? Du plus mauvais au meilleur? Fuyez les mauvais régimes. Donc, à ça mon avis... Ça ferait bas, haut, droite, gauche. Si c'est du plus mauvais au meilleur. Ce serait... Ça, c'est le plus mauvais, le jaune. Ah, c'est le plus mauvais, le jaune. Je pense, hein. Ouais, bon. Bah alors, haut... Ça, j'adore haut, tout, bas. Moi. Haut, haut, bas, droite, gauche. On ne juge aucune de ces nourritures parce qu'on adore tout ça, je vous assure. Évidemment. Mais il faut bien faire un choix. Ah. Ah ouais,
J'avais juste à regarder finalement. Droite. Haut droite, haut bas. Qu'est-ce qu'on fout là ? En ascenseur ! Oh, on est un plat. Oh. Ah oui, un plat. La clé ! La clé remonte personnel. Au revoir. Hop là. La clé du personnel. Pour voler la fève de Calbar. C'est un extrait de Calbar. Il fallait quoi d'autre ? Il fallait de la belladone. De la belladone. Un soupçon de votre poison. Là, il y a du sirop de belladone. Ah. Tu l'as mis le sirop de belladone ? Non, j'ai juste fait un shaker là, attends. J'ai juste tout mélangé. Oh, oh, donc on va pas, là. Ouais. Du coup, un soupçon de votre poison. C'était quoi le poison ? Du coup, attends, je mets du sirop de belladone. Et si je le shake, c'est censé faire un antidote ? Non, pas tout de suite. Un peu d'eau minérale. Ah, mais il manque Ah, quoi que ton poison, tu l'as dans le corps, donc à la limite. Agiter sans remuer. Ok. Tu peux agiter sans remuer. Avec la cuillère. Vas-y, remue. Agiter. Ah non, fallait agiter sans remuer. Mais j'ai pas fait remuer, remuer c'est la cuillère. Ah oui, on a pas remué du coup. Ouais. Mais donc fallait pas agiter de base. C'est quoi trois soupçons du contraire ? Le contraire c'est le sirop de belladone. Donc j'en remets deux. Oh la vache, le dosage. La vache. Il va être corsé hein. Oh la vache, on peut le vider le bordel. Oh la... ouais, du coup attends, j'ai compris. Parce que nous on a bu du sirop de belladone, c'est ça notre poison non? Ouais, nous on a bu du belladone, donc il faut mettre un de belladone, trois calbars. Un soupçon d'eau minérale. On agite. Agité. Et on boit. Oh merde! T'as le droit d'agiter deux fois? On a le droit d'agiter deux fois. Mais vous voulez vraiment nous tuer? Eh ouais! C'est la quatrième fois que vous essayez de nous tuer. On est toujours pas mort. A plus, en moins de 15 minutes. Putain, c'était le moment de parier des subs. Joli travail, vous n'avez fait qu'une bouchée de ce poison. Bah ouais. Dehors l'interro surprise. Et il est minuit. Sur le gong. Oh bah tiens. Sur le gong. Bon, trop facile pour nous hein. On a eu 6 badges. Il y en a 10. 6 badges. Si vous voulez voir la fin du jeu, vous devrez aller la voir vous-même. En vous procurant le jeu sur l'Epic Game Store avec le code créateur OneKill. Puis les hommes ont plusieurs, donc vous pouvez jouer en multi si vous voulez. C'est vrai. Escape Academy, franchement, c'est très sympa. J'aime bien le fait d'avoir très cool ce qu'ils ont fait autour des escape rooms. Oui, c'est trop c'est bien. Pas juste un escape game classique. Ils ont vraiment fait le thème escape game. Les dessins sont bien et tout. Moi, j'aime bien. DA, c'est bon. Très bon cool. Jeu. Ils ont été original parce que ça se ressemble un peu les jeux d'escape game au bout d'un moment. Validé. Top voilà, jeu. Voilà. Top jeu. Et ben, bah voilà. Bah, il est l'heure d'aller manger pour tout le monde, parce que tout le monde évidemment est décalé, donc. De bien aller manger. Allez. On va se déguster tout ça là. À la prochaine, bonne nuit. Cliquez sur le lien et puis à bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir.